Léa Salamé, vous recevez ce matin le réalisateur du film documentaire Adolescente et ses deux héroïnes. Oui, bonjour Sébastien Lifshitz. Bonjour. Et bonjour à vous Emma Jobert et Anaïs chambody Merci d'être là. Vous êtes l'auteur et vous êtes les héroïnes d'un film étonnant. Pendant cinq ans, vous avez filmé la vie de deux copines, de leurs 13 ans à leurs 18 ans, deux copines qui habitent Brive, qui viennent de milieux sociaux très différents, qui sont copines parce que c'est ça l'école française et républicaine, c'est que même quand tu viens de, de deux milieux sociaux différents, et bien tu tout oppose et en même temps, elles sont copines. Vous avez filmé leurs rires, leurs larmes, leurs angoisses, leurs peurs, leurs engueulades, la transformation de leur corps pendant cinq ans et leur première fois. Qu'est-ce que vous vouliez capter dans ces adolescentes, puisque c'est le titre du film Je voulais essayer de raconter ce que c'est que l'adolescence aujourd'hui. Moi, je me suis souvenu de la mienne dans les années 80, qui était euh, celle de l'élection de François Mitterrand et. Euh, des années sida. C'était une époque très particulière. Je me demandais qu'est-ce que c'était qu'être ado aujourd'hui. Et surtout de la regarder grandir, se transformer, essayer de se décoller de leurs parents et de devenir euh, bah, des jeunes adultes en fait. Mmh. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris sur ces adolescentes d'aujourd'hui Qu'est-ce qui vous a étonné dans je... ces cinq ans Je les trouve, en tout cas, les... Emma et Anaïs et... et les filles en général que j'ai pu rencontrer autour d'elles, je les trouve déterminées, euh, très affirmées. Je trouve qu'elles ont... Euh, comme si finalement le, le féminisme avait fini petit à petit par euh, porter ses fruits et avait créé une génération beaucoup plus affirmée, en tant que femme en tout cas. Comment vous les avez choisis, Emma et Anaïs D'abord, vous avez choisi Brive, vous ne vouliez pas filmer ni à Paris ni en banlieue, vous avez choisi clairement une ville moyenne française, et comment vous avez choisi Est-ce que ça aurait pu être des garçons Au départ, je cherchais un garçon, et puis les proviseurs des lycées de Brive m'ont vraiment fortement conseillé justement de m'intéresser aux filles, en me disant que c'est vraiment... Plus intéressant. Oui, elles sont plus matures. Plus, plus intéressante et surtout de cette génération. Ils, ont, ils avaient vraiment constaté qu'il y avait une vraie différence. Et donc, on a ouvert le casting euh, aux deux sexes. Et effectivement, euh, Emma et Anaïs euh, m'ont séduit tout de suite parce que je trouvais qu'elles avaient une couleur. Euh, chacune euh, de l'adolescence et j'étais incapable de les départager en fait. Ouais. Et c'est à ce moment-là où j'ai appris qu'elles étaient meilleures copines, ce qui était improbable parce qu'elles sont tellement différentes. Que tellement différentes. On se demande même comment elles peuvent s'entendre. Ouais. Euh, et voilà, d'ailleurs, elles s'engueulent. Ouais. L'une est réservée et, et doute beaucoup, l'autre est exubérante et sexy. C'est très même physiquement. Oui, il y en a une mélancolique, l'autre qui déborde. Euh, oui, exactement, voilà, c'est dit comme ça. Alors justement, les filles, Emma et Anaïs, comment vous êtes-vous habituées à avoir la caméra tout le temps Tout le temps, à la maison, à l'école, quand vous êtes avec vos copines, quand vous êtes avec vos petits copains, quand vous vous engueulez avec vos parents, quand vous perdez votre grand-mère, elle filme presque tout de votre intimité. Euh, ça ne vous a pas fait peur, Emma alors c'est vrai qu'au début euh, c'était un peu compliqué parce qu'on avait forcément bah, peur du regard. En plus euh, on savait, enfin on n'aurait jamais pensé qu'il allait se passer un documentaire à brive. Et donc ils sont arrivés comme ça au, au collège à l'époque et il euh, y avait beaucoup de questionnements, les gens nous regardaient. Donc c'est vrai que c'était un peu euh, une, enfin, je ne sais pas comment dire, une sorte de pression. Mais après, très rapidement, on s'est habitué, parce qu'avec Anaïs, on est de filles très naturelles. Donc le naturel revient toujours au galop. Et il y a une relation de confiance qui s'est instaurée entre Sébastien et l'équipe. Donc, euh, ça a facilité les choses. Et, et euh... est-ce que vous jouiez, Anaïs, ou vous étiez vraiment vous-même tout le temps Ou parfois vous vous regardez vivre en vous disant la caméra est derrière Non, j'ai toujours été euh, moi-même. Après, ben, mon naturel, c'est aussi des fois de faire un peu le show dans la vie de tous les jours. Donc okay, je le euh... confirme. <laughs> donc voilà, mais on a toujours été très, 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 très naturel. Oui. Est-ce qu'à des moments, vous avez dit non, je veux pas de caméra Non, jamais. Ah, jamais... À aucun moment pendant cinq ans, non. vous avez refusé la caméra non parce que en plus on avait un contrat moral avec Sébastien et on savait que s'il y avait une scène qui nous dérangeait que ce soit dans le au moment même ou euh, par la suite on pouvait lui demander de l'enlever mais ça ne nous a jamais gêné vous avez demandé d'enlever une scène non, jamais. Vraiment. Ni l'une ni l'autre. Alors, filmer des adolescentes, c'est filmer les appareils dentaires, les seins qui poussent, les complexes aussi, les problèmes de poids. Anaïs, vous avez une scène étonnante où votre mère vous dit « Il faut que tu maigrisses, c'est plus possible. » Et vous, ça vous ennuie parce qu'au fond, vous vous trouvez très belle comme ça. Mais après, je pense que quand on est ado, ça nous ennuie toujours quand nos parents nous disent « Il faut que, vous fassiez, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. » Mais après, mon poids a pu me déranger à un moment donné parce que au collège, voilà, les insultes. Mais en fait, au final, moi, je suis très bien dans mon corps. Donc donc, euh, je voyais pas pourquoi fallait que je m'écrise pourquoi pour plaire à la société bah, non moi si j'ai envie d'être ronde ben bah, <laughs> voilà ça me dérange pas après je vais pas non plus enfin euh, le truc mais moi je suis très bien dans mon corps il y a aussi le chagrin d'amour et puis la solitude de l'adolescence que, que vous filmez vous Emma une autre scène vous êtes réservée solitaire on l'a dit y a une discussion très forte avec votre mère qui s'inquiète parce que vous êtes trop souvent seule et vous lui dites ben bah, oui c'est comme ça je, je suis seule parce que je suis incomprise je suis peut-être un peu rejetée oui, en fait, ce que ma mère a du mal à comprendre parfois, c'est que c'est très compliqué. On sait, il y a tous les adolescents ont eu un moment euh, des moments difficiles, mais euh, je trouve qu'au plus on avance dans les années et au plus on a une, une sorte de pression, on a beaucoup de regards, euh, mais que ce soit, enfin, euh, les femmes euh, particulièrement. Et c'est vrai que euh, c parfois il est difficile de s'imposer et de se faire une place. Mm. Donc, euh, je lui dis, bah, c'est comme ça, je suis seule et mon moment viendra. Mon moment viendra, exactement, et c'est très beau. Et puis, à les engueulades avec les parents, personnages secondaires formidables de ce film. Euh, toutes les deux, deux scènes quasiment pareilles, vous reprochez à vos parents de ne pas s'intéresser à vous, de ne pas vous comprendre. Emma, vous dites à votre père, tu t'en fous de moi. Anaïs, vous dites euh, au vôtre, tu t'en fous de mes émotions, tu t'en foutais quand je pleurais, quand Dimitri m'a largué. Tu n'as jamais eu de chagrin d'amour, papa, vous lui demandez ben oui, parce que des fois, je pense que quand on est ado, euh, les parents ont un peu tendance justement à oublier eux-mêmes leur adolescence. Donc, euh, c'est pour ça que je demandais un peu plus euh, un peu plus d'attention. Après mon père, il est comme ça, il n'a jamais montré, on va dire, ses sentiments. Donc, euh, ben, en fait, il me fâchait, en fait, il m'engueulait quand je pleurais. Mais je pense que c'était une façon pour lui de montrer qu'il s'inquiétait, euh, ouais. de me voir aussi triste. Et vous, comment comment vos parents ont réagi quand euh, ils ont vu le film alors euh, mon père, bon, forcément il est moins présent, donc c'est pas la... le même regard. Il a été très fier, très heureux. En plus il connaît très bien Anaïs, donc c'est vrai que de nous voir comme ça évoluer, parce qu il en a Et pris. votre mère, parce que votre mère ah, est mère. très là. Euh, ma mère, euh, elle, elle, ça lui a fait vraiment quelque chose. Elle a eu très peur et elle a encore aujourd'hui très peur du regard des autres. Pourquoi elle a peur de quoi ben, Elle a l'impression parfois euh, de passer un peu pour euh, une hystérique. C'est ses <laughs> termes. Donc elle a, elle, a, elle a eu du mal à se voir. Et vous, vos parents, qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils ont vu euh, ça que... Alors ben, moi, mes parents sont très fiers donc de moi et aussi d'Emma parce que voilà, ils connaissent très très bien Emma, donc sont très fiers de nous. Après, c'est vrai que il ben, y a des scènes où, par exemple, je suis pas très gentille avec mes professeurs. Euh, mon père, il m'a regardée, m'a dit ah bon tu parlais comme ça à tes profs Donc c'est assez drôle au final, mais. Alors et le film, et c'est ce qui le rend étonnant, dessine petit à petit un portrait passionnant de la France à travers de ces deux adolescentes. Vous vivez ébranlées toutes les deux les attentats de Charlie Hebdo. Vous, vous avez voulu montrer les réactions corsée, les discussions passionnées des élèves en classe après Charlie après les attentats du Bataclan vous filmez tout ça et c'est ça qui est absolument passionnant Anaïs vous vous expliquez à vos parents euh, on peut pas mettre les djihadistes et les musulmans dans le même panier ils ont quoi les musulmans faut arrêter c'est une religion comme les autres oui bah après c'est quelque chose qui m'énervait et qui m'énerve toujours d'ailleurs ça en fait ça m'énerve bah... Je sais pas comment expliquer. C'est vrai que j'aime pas qu'on qu confonde les choses, qu'on mette pas des bons mots. Et puis euh, quand je voyais euh, certains de mes amis justement musulmans qui se faisaient insulter euh, gratuitement, en fait, laisser les tranquilles. En fait, ils n'ont rien fait. C'est vraiment quelque chose qui, qui m'énerve profondément. En fait, du coup, ben, après, mes parents n'ont rien du tout euh, contre du coup, les musulmans ou autres. Mais c'est vrai que je leur expliquais un peu parce qu'ils avaient tendance. Euh, Sébastien, à un moment, vous filmez le père d'Emma, dire à Emma, Je je comprends pas, quand j'avais votre âge, on parlait politique, on discutait politique toute la nuit, tout le temps, vous vous, vous en foutez un peu. Est-ce que vous avez trouvé que ces gamines et ces ados sont engagés, sont politisés, ou au fond moins que votre génération Je pense que c'est une génération qui est assez en colère d'abord du monde qu'on leur laisse. Ils y sont quand même très très sensibles, ils ne se retrouvent pas dans les hommes politiques. Euh qui sont face à nous en fait. Et on voit qu'il y a une sorte de désillusion, que euh, la femme ou l'homme en tout cas qu'ils attendent n'est pas là en fait. Et donc face à ça, c'est vrai que, que ce soit Emma qui a l'air effectivement assez euh, ennuyée. Euh, blasée. Euh, oui, blasée. Euh euh, et face à son père qui lui a connu la grande époque on va dire de, bah, des, bah, années 68, 80, des années 80 et tout ça, et tout ça euh, il a le sentiment tout d'un coup que l'élection de Macron incarne une forme de désillusion totale en fait les gens sont pas du tout, euh, ne croient pas en ce candidat Alors justement et c'est la scène que j'ai préférée dans le film on va terminer avec ça cette scène formidable où on est le soir de l'élection d'Emmanuel Macron vous êtes chacune devant la télé avec vos parents vous sur TF1 vous sur France 2 et il y a le suspense qui monte avant 20h vous êtes sur leur visage on voit les deux visages vous Anaïs Comment vous réagissez au moment de l'annonce d'Emmanuel Macron Mais euh, après, j'étais pas forcément pour l'un ou pour l'autre. Ah si si. Mais euh, oui. Et euh, assumé. Non mais en fait, sur le moment venu si, mais je voulais pas forcément que Emmanuel Macron soit élu. Vous étiez même et, pour Marine. C'est pas que j'étais pour Marine, mais il y avait des côtés dans, dans le, on va dire dans Marine Le Pen que oui, j'aurais bien aimé qu'elle soit élue, mais euh, d'autres non. Enfin après, c'est comme pour tout. Hein, donc ouais. Euh, mais... c'est une scène absolument formidable. Et vous, Emma, vous dites à votre père bon ben voilà. Euh... Je m'en fous, en gros, tant, tant que c'est pas Marine, ça va. Bon, je dis ça sur le moment, mais c'est vrai que je n'étais pas forcément partisane d'aucun des deux. Ouais, vous dites d'ailleurs, Macron non plus, je l'aime pas. En tout cas, voilà, il faut aller voir ce film. Vous êtes toujours copine oui, ah oui, oui. oui, parce que la scène finale, vous cool. vous demandez si vous resterez copine ou vous serez plus que des amis d'enfance, on verra. Film étonnant qui décrit donc à travers ces adolescentes le portrait de la France. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce matin. Belle journée, adolescentes, en salle. Euh, mercredi prochain.